What the? What the? Moto Fego. Moto Fe. What the? Oh, my friend. O kolokte watarun oso groupe qui watawabiri o kolokte oti jawe ko feundare. Aluyele. Ote. Womangate. Wo borra kolon. Mirinde wa mangre tungo kono wo mameti. Monte. Ote. Oh, demande Margo. Est-ce qu'il n'y a pas de yanga? Mais laissez-moi placer ce mot. Je vais essayer de prendre quelques 2-3 personnes. Très bien. Bonsoir tout le monde. Je fais qu'il se fait très tard. J'étais coincé quelque part. Mais malheureusement, on ne peut rien si on est placé face à une contrainte. Il n'y avait pas de réseau. Je vais vous répéter une chose avant de commencer cette vidéo. La solution pour la Guinée, pour se libérer des bras de ces tyrans-là, c'est Seloudal, rien à dire. C'est Seloudal. Moi, j'ai jamais supporté quelqu'un ici. Je ne suis pas d'un UFDG, je ne suis pas un militant de UFDG. Mais l'alternative pour la Guinée, c'est Seloudal. Soit tu n'es pas pour Alpha Condé ou bien tu es pour lui. Si tu veux le bonheur de la Guinée, va chez Seloudal. C'est tout. Je ne dis pas que Seloudal va transformer la Guinée en diamant. Mais la solution, notre solution actuellement, c'est de faire partir Alpha Condé. C'est ce que je vais placer d'abord avant de commencer. Et nous savons tous que la gestion de Alpha Condé, c'est catastrophique sur tous les plans. Mais il y a un fait qui dérange, l'ethnocentrisme. Et Kankana Bolo, Adam a dit façon Nabolo Rendeira, pour qu'il fasse mal au peuple. Ça, ce n'est plus affaire élection maintenant. Ce n'est plus affaire d'ethnie maintenant, quoi. Mais ça, c'est un règlement de compte. Mais Alpha Condé répondra de ses actes le jour où ce régime va changer. Le jour où il y aura une vraie justice, on ne parlera jamais de réconciliation en Guinée. C'est justice uniquement. Nous voulons la justice. Parce que si c'est affaire d'élection, nous savons pertinemment qu'il y a des malinqués qui sont pour Seloudal. Nous savons pertinemment qu'il y a des soussous qui sont pour Seloudal. Il y a des forcés qui sont pour Seloudal. Il y a toutes les ethnies qui sont pour Seloudal. Pourquoi on cible des personnes qui sont dans une position faible à Cancan, aller détruire leurs biens? Pourtant, ces personnes ne connaissent pas un autre endroit de la Guinée si ce n'est pas Cancan. Ils ne connaissent nulle part si ce n'est pas Cancan. Parce qu'ils portent un nom peul, il faut aller saccager leur maison, il faut aller les sacher pour faire mal à Seloudal. Seloudal ne les connaît même pas. Ces gens-là ne connaissent même pas Seloudal. Mais cette affaire est orchestrée par Woulada. Je ne voulais pas dire le nom de ce chien-là, c'est Maboula, c'est Bonobo-là. Je ne voulais pas dire son nom, mais il faut situer les choses comme cela se doit. Woulada est entretenu par quelques ministres. Il n'est même pas entretenu. Il prend photo avec quelques ministres. Et il se permet de prendre des enfants, aller brûler la maison des gens à Cancan, dans les périphéries de Cancan. Il n'est pas seul. Il est avec un certain Moussa Diang. Ils sont en train de brûler des maisons. Ces personnes, même en les voyant, ce sont des prototypes de la souffrance. Ils souffrent comme pas possible. La seule chose qu'ils gagnent, c'est prendre une photo avec quelques cadres du RPG. Et on met dans la tête de ces ignorants-là que la Guinée est une république RPG. Si tu n'es pas pour RPG, tu ne peux pas travailler en Guinée, tu ne peux pas être tranquille en Guinée.
Mais Adam mané. Buna bukyok fana famane. Buna bukyok fana famane. Alpha Condé, il ne lui reste que 2 semaines. 2 semaines, c'est soit la Guinée lou, allo, t'aurais d'or y aller. T'aurais moudoro, y aller à Moulakala, t'aurais fa moudoro. La Guinée lou, on a Guinée. Les militaires qui suivent Alpha Condé, wa suivent Afanira. Parce qu'il y aura un changement de régime. Tous ceux qui partent kidnapper les gens, on ne viendra pas nous dire ici, j'ai reçu sur l'ordre. Vous participez à kidnapper des Guinéens, à kidnapper les Guinéens pour leur opinion. Et nous venons de voir une vidéo où on monte des machettes. Que c'est l'Oudal MV attaquer la Guinée avec des machettes. C'est les machettes qui attaquent un pays. C'est les machettes qui attaquent un pays. Ils sont incapables de montrer même les armes. Parce que la Guinée n'a même pas d'armes. Parce qu'ils n'ont pas d'armes pour montrer. Ils partent acheter des machettes pour montrer aux Guinéens que la Guinée, c'est l'Oudal MV attaquer la Guinée avec 60 machettes. C'est avec ça, c'est l'Oudal MV déstabiliser Alpha Condé. Ils n'ont même pas d'armes pour montrer. Les militaires ne sont pas dotés. C'est pourquoi ils partent montrer ces machettes-là. Au lieu de partir acheter ces machettes à Cancan, là, c'est au Sénégal. Au lieu de partir acheter ces machettes au Sénégal pour faire traverser à la frontière, pourquoi ne pas commander en Guinée? Ces machettes-là ne sont même pas solides. Ce sont des machettes chinoises que vous avez montrées. Il y a une machette qui est une machette. Il y a une machette qui est une machette qui est une machette qui est attaquer la Guinée. Ces machettes, avec machettes, on attaque un pays et puis 60 machettes. Non, le régime là a perdu l'horizon. Même où les fallait faire, même mentir, ils ne peuvent pas. C'est machette que c'est l'Oudal achète au Sénégal. Ce n'est pas fusil, il achète. Ce n'est pas des chars de combat, il achète. Ce sont des machettes. On m'a même rayé mes idées. Ça, quand même, c'est de la comédie. Je ne considère même pas. Avec des machettes. Coupe-coupe n'a rien à la Guinée. Le fer des coupe-coupe qu'on fabrique en Guinée, fabrication locale, c'est plus solide que vos machettes chinoises. Mais allons seulement. Vous avez perdu le nord. Machette! Non, ça, on ne répond même pas à Alpha Condé. Et puis, ce qui est marrant dans tout ça, ils ont toutes ces preuves-là. Ils sont incapables de partir prendre ces loups d'Alain. Ils ont toutes ces preuves-là. Toutes ces preuves, ils ne peuvent pas aller prendre ces loups d'Alain. Ha! Ces loups d'Alain. Ramenira. Ils ont des preuves que Seloudal a vendu Air Guinée, mais ils ne peuvent pas l'envoyer devant la justice. Ils ont des preuves que Seloudal a vendu Fria. Ils ne peuvent pas l'envoyer devant la justice. Aujourd'hui, ils ont des preuves que Seloudal a des machettes. Mais ils ne peuvent pas le prendre. C'est quelle bêtise ça, quoi. C'est quelle bêtise. Tous les douaniers qui sont sur cette vidéo-là, qui sont en train de montrer ça, vous vous expliquerez devant la justice. Nous allons nous constituer en commission, en association. On va poursuivre tous ces gens-là. Ces actes-là ne seront pas impunis. En tout cas, après Alpha Condé, on va organiser une association qui va poursuivre tous ces maudits communicants-là. Moi, je suis prêt à financer. Et je sais que si je lance l'appel, il y aura des gens qui vont mettre la main dans la poche pour mettre une association en place qui va poursuivre ces gens-là. On va prendre des avocats. Moi, j'ai plein d'amis qui sont avocats. On va prendre des avocats. Oulada, Wallahi, Billahi, Dallahi. Alpha Condé, ni minima baby, qui va tout en fenêtre. Tu iras en prison, tu vas mourir. Mouni belga sema. Et mi faramago, mais iska manegi. Mais Beniras Kamouni Seigneur Bil Magiram. Je promets, je fais sincèrement quoi. Nous serons en Guinée pour l'installation de Seloudal. L'investiture de Alpha de Seloudal, nous serons en Guinée. Alpha Condé, tu n'as même pas parlé d'abord. Tu n'as pas parlé. Il te reste encore. Parce que dire que celui qui se proclame Inaka s'est refusé dans l'ambassade. Nous savons tous qu'il n'y a aucun président dans le monde entier qui a double nationalité. Sauf Alpha Condé. Il fait tout ce mal au Guinéen parce qu'il va courir, aller en France, vivre là-bas. Parce qu'il a la nationalité française. Seloudal n'a pas autre nationalité si ce n'est pas Guinéen.
il peut aller nulle part. Il aime la Guinée. Il fera sa campagne. Il ira à Cancan. Vous faites du mal aux pères qui sont à Cancan. Vous ne croyez pas qu'il y a des malinqués qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont aussi dans le Fouta, qui sont un peu partout en Guinée aussi. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Vous mettez ces gens-là en danger. À travers vos conneries là. Parce que vous, si vous faites du mal aux peuples qui sont à Cancan, les malinqués qui, et les peuples qui sont au Fouta vont faire du mal aux malinqués qui sont au Fouta. Et pourtant, ils n'ont rien à voir dans ça. Vous provoquez des tensions inutiles parce que vous aimez Alpha Condé. Mais ça ne restera pas impuni. Tous les malinqués qui sont au Fouta, s'ils sont en danger, c'est Oulada et Moussa Diagne. Ils sont en train de casser la maison des peuples qui sont au Mandeng. Ils sont en train de casser leur maison. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Et même s'ils ont quelque chose à voir avec la politique, c'est quoi votre problème? Alpha Condé était là lors des élections. Il vient en Guinée, il fait sa campagne comme il veut. Personne ne l'empêchait. Il partait partout où il veut. Personne ne l'empêchait. Mandeng, c'est pour vous? Mandeng, c'est pour vous? Pourquoi c'est lui d'aller un peu pas aller un peu partout en Guinée? Vous avez le titre foncier de la Guinée? Billahi, Oulada, moi, je m'engage. Même si je n'ai pas l'argent, je vais demander cotisation sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu iras en prison. Même si tu fuis, tu vas quelque part, on partira te cueillir. On te mettra en prison. Je te fais ce serment. Wallah billahi. Je fais ce serment. On va prendre deux personnes. Moi, je suis au travail. C'est à cause de ça. Moussa Diagne, Mamadou Essoz, Oulada Soare, le père raté là, quoi. Son père ne l'a pas reconnu. C'est à cause de ça, il a un dent contre les peuls. Ils sont en train de casser la maison des peuls qui n'ont rien à voir avec la politique. Parce qu'ils sont peuls, il faut casser leur maison à Cancan. Il faut les sacher. Ils veulent faire tout ça pour que ceci ne vote pas pour Selou Dalé. Ils veulent faire fuir les gens pour que ceci ne puisse pas voter. C'est tout. Sinon, les gens là n'ont absolument rien à voir. Mais je jure, apprêtez-vous, on va former une association. On mettra la main dans la poche pour prendre des avocats. Mais vous irez en prison. Wallah. Vous irez en prison. Nabina, acte posé fait Beiki. Ils ne sont pas inquiétés. Ceux qui ont dit que Madina va brûler, ils ne sont pas inquiets. Mais après Alpha Condé, vous irez en prison. Vous allez répondre de vos actes. Parce que c'est lui le ban chef. C'est lui qui cautionne tout ça. Mais on ira. Allons sûrement. Vous mettez, mais je profite, vous le dire, vous mettez la vie des malinqués qui sont au Fouta en danger. Vous mettez la vie des malinqués qui sont au Fouta en danger. Ça, vous le faites, hein. C'est personne, hein. C'est automatique. Parce que vous ne pourrez pas battre, gâter la maison des gens qui sont là-bas, là, et qui n'y a pas de réaction ici. Les imams, les faux imams là, quoi. Les imams vendus là, quoi. Et t'en as le maran ni fait la paix, la Guinée. Mais ça n'a RPG photo ni ramira. Il fallait mal à Alpha Condé, des maudits comme ça, là, qui gâtent le nom des religieux. Des maudits.